Et salut à tous, c'est Makasu, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien en tout cas parce qu'aujourd'hui je vais vous faire un petit Makasu Talk épisode 4, voilà, dans lequel bah, le principe de la série, parler de certaines informations qui par exemple seront sur ma chaîne ou par rapport aux vidéos ou collaborations, je ne sais pas, voilà. Et aussi parfois parler de mes petits coups de cœur, voilà. Bon, on va commencer par la première information. Qui est alors tous les mercredis, c'est pas sûr, peut-être tous les mercredis, je ferai des lives sur une nouvelle série, donc ce sera plus une série détente qui s'appellera la survie pépère, voilà. En gros, ça sera une survie Minecraft normale sur un monde super grand avec des montagnes et tout, où ça va me servir aussi cette série de support visuel pour mes Makasu Talk. Donc là sûrement donc, comme support visuel je vais vous mettre un truc PVP, je sais pas moi. Donc dites moi si ça vous plaît, voilà, hein, un petit support visuel et une série en live, voilà. En gros une survie en live si vous voulez. D'ailleurs, en parlant de live, j'aimerais savoir votre avis si vous voulez bien des lives sur le jeu Final Fantasy XV, parce qu'enfin je l'ai, voilà. J'aimerais savoir votre avis, donc si vous voulez, hein, rendez-vous tous les mercredis pour avoir un live. C'est pas sûr évidemment, hein, ça peut arriver que j'ai d'autres choses à faire. Voilà. Ensuite, pour une deuxième information, à propos des skins, voilà, j'aimerais, au lieu d'utiliser deux skins, maintenant, je vais choisir entre les deux, finalement, à la fin, voilà, de choisir un skin définitif, qui est Ratchet, voilà, tout simplement. Bon, ça peut arriver que, genre, dans des vidéos, je prenne d'autres skins, hein, ça peut arriver juste pour le fun, voilà. Mais, en tout cas, mon skin définitif sera Ratchet, voilà, parce que il représente à la fois mon enfance, parce que j'aimais beaucoup Ratchet et Clank, voilà. Il représente également, vu que Ratchet c'est un peu un mécanicien des vaisseaux spatiaux et tout, ça fait un peu comme Redstoner, tu vois, donc c'est pour ça que je le garde lui, et pas un robot, parce que je trouve que c'est pas trop original robot Redstoner dans la section Redstone, tu vois, je préfère avoir un skin original de Ratchet. Ce qui fait que, du coup pour une troisième information, il y aura une nouvelle bannière. Bon, je vais acheter quelqu'un, enfin je vais payer 2€ pour quelqu'un pour qu'il me fasse une bannière. Parce que comme ça, vu que j'ai un skin unique, ça va être beaucoup plus facile pour la personne qui va faire ma bannière à faire une bannière super belle avec moi en skin 3D et tout. Enfin voilà, ça va être plutôt cool. Ensuite, pour une quatrième information, bon, c'est pas vraiment une information, c'est juste pour vous dire que la série Let's Red va bientôt reprendre, c'est juste qu'il y a eu un petit problème à cause des mises à jour, voilà, donc je vais vous dire là vite fait. Les spawners se sont transformés en spawners qui marchent plus en fait, voilà, les spawners ils marchaient plus, du coup, mais là il y a une nouvelle mise à jour, comme quoi les spawners ils marchent encore, je vais vérifier ça maintenant. Pas encore, voilà. Ensuite, pour une quatrième, donc ça c'est fait, cinquième information. Vous avez remarqué que mon commentary sur mes vidéos est, commence à devenir vraiment nul à chier. Hein, voilà. C'est pour cela que je vous demande des idées de discussion. Bon, vous allez me dire Plagiat Steelers, et alors tu vas faire quoi? Si je n'ai pas d'idée, donnez-en moi. Sujet de discussion, ça pourrait être très intéressant de parler d'autres choses que sur mes vidéos, voilà. Parce que je trouve que c'est un peu répétitif de parler tout le temps, genre... Ouais, on va faire ça, tic, tac, voilà. Entendre à chaque fois les tics comme ça et la répétition comme quoi je commente qu'est-ce que je fais, c'est un peu nul, tu vois. Voilà. Ensuite, pour une sixième information, il y aura une nouvelle amélioration au niveau du montage parce que avec mon logiciel Share Factory, j'ai découvert quelques petits trucs qui pourraient être sympas, voilà. Enfin, j'ai découvert des nouveaux trucs genre fond vert ou des trucs comme ça. Ce qui fait que je peux faire des choses que normalement on n'est pas censé faire avec le logiciel, en gros des techniques maison que j'utilise. Et donc, on peut maintenant incruster des images, donc ça pourrait être cool. Et donc, ce qui fait que vous aurez une meilleure qualité de montage, voilà.
Donc d'ailleurs là juste ici à ce moment précis je vais montrer le montage. Voilà, maintenant à partir de maintenant, ou peut-être après, voilà, dans pas longtemps, je vais instaurer dans mes vidéos un petit rappel de like, voilà, donc là juste ici vous le voyez, voilà. Comme quoi, genre, voilà, il faut liker la vidéo, faut pas oublier, voilà, parce que... C'est pas sûr, c'est pour faire plus pro, voilà. Et puis j'aime bien l'animation, donc je pense que ça pourrait vous plaire, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Et aussi, bah, nouvelle outro du coup, hein. Bah, je vais vous la montrer à la fin de la vidéo, restez jusqu'à la fin, voilà. Et du coup, vu que j'ai une amélioration au niveau du montage, et il faut que... Non, il faut aussi que j'explore un petit peu aussi le logiciel un petit peu plus. Dites-moi si vous voulez des tutos sur le logiciel Surfactory, parce que je sais qu'il y a des abonnés qui... Bon, je suis craqué mon doigt. Je sais qu'il y a des abonnés qui utilisent le logiciel Surfactory. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse un tutoriel Surfactory, en gros, voilà, une série sur Surfactory. Je pourrais, voilà, tout simplement. Voilà, c'était bon pour ces toutes les informations qui étaient importantes. Maintenant, pour une centième information, c'est pas vraiment une information, je vais vous passer mes coups de cœur du moment. Vraiment, là, je suis content de mon choix. Donc, on va commencer par une chaîne, bon, de Redstoneur, un peu comme Redstone and Morse que je vous avais présenté avant. Donc il s'appelle Red Signal. Je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description, en commentaire et bah, dans le petit i en haut à droite, cliquez, voilà. Ce mec, c'est un malade mental de la Redstone. Il faut absolument que vous voyez, si vous êtes fan de Redstone, de portes ou des trucs comme ça, il faut absolument que vous alliez voir sa chaîne YouTube. Ce mec, c'est truc de Redstone, c'est un truc de malade. Juste, allez voir sa chaîne absolument, je vous le recommande énormément. Bon, peut-être ses vidéos sont un peu, on va dire, pas travaillées, avec aucune miniature et tout, mais c'est pas grave, hein, il présente ses systèmes Redstone, il fait ce qu'il veut, et ses systèmes, il mérite d'être vu, et ce mec, c'est un malade. Il faut absolument que vous allez voir sa chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à s'abonner à sa chaîne. Ensuite, deuxième chaîne YouTube, bon, cette chaîne, bon, alors l'autre, elle avait à peu près 50 abonnés, je sais plus, voilà. Cette chaîne, il s'appelle Dimension, bon... Il a 4000 abonnés, mais juste je dis mon coup de cœur, hein, je vais pas faire de pub, hein, non plus, c'est pas non plus, voilà. Mais je vous invite fortement à aller voir sa chaîne. Ce mec, Dimension, il fait des vidéos bah, sur la dimension, voilà, sur l'espace, voilà, tout ce qui est voilà, planète Terre ou des trucs comme ça. Et ce mec, c'est un malade mental au niveau du montage, à peu près 100 heures de montage pour chaque vidéo. Je vous le recommande vraiment. Bon, il sort pas des vidéos régulièrement non plus, hein, c'est une fois par mois à peu près. Mais ce mec, c'est un génie et un monstre au montage. C'est juste magnifique à la qualité visuelle. Même en 420p, le mec, il arrive à faire une qualité visuelle super belle. Donc je le recommande fortement d'aller voir sa chaîne si vous êtes intéressé par tout ce qui est compose, je sais pas, les atomes ou bien je sais pas, la dimension, l'espace, l'infiniment plus grand, l'infiniment plus petit. Ça m'intéresse et si vous êtes intéressé fortement comme moi, je vous invite à aller voir sa chaîne absolument parce que c'est un génie au niveau du montage, voilà, tout simplement. Donc voilà, c'était tout pour ce Makasu Talk. J'espère que ces informations vous auront bien informé, voilà. Donc si vous voulez exprimer votre avis, exprimez-le dans les commentaires, voilà. Ou bien par des vidéos, like ou pouce rouge, voilà. Partager la vidéo, ça sert à rien, je trouve. Mais maintenant, je vais vous montrer ma toute nouvelle intro. Donc sur ce, je vous dis à plus et portez-vous bien.